Budget rectificatif, ça que le gouvernement mettait dehors, c'est un budget qui vient dans le contexte côté que le gouvernement prévoit toutes dépenses que vous avez fait pour l'exercice fiscal là, avec tout quoi vous avez rentré. Donc, vous n'êtes pas capable par rapport à l'argent, climat, insécurité à y. Donc, vous avez jugé bon pour réviser le budget ça et vous faites de environ 20,5% de réduction. Vous passez de 320 milliards environ à 254,8 milliards de gourdes. Donc, il y a un budget qui vraiment il paraît plus raisonnable par rapport agent recette et dépenses l'État a fait. Faut que nous disions que gagner plusieurs éléments importants dans le budget qui est supposé attirer l'attention. Et d'abord, faut que nous disions que tout poste de recette avec dépenses dans l'État, tout baisser net, gouvernement baisser tout net, sauf deux postes qui sont rentrés dans recette et qui pas baisser, qui augmenter, c'est ça ne relève l'autre financement interne de projet, ou bien autre financement interne de projet, ou bien les recettes sur les produits pétroliers, donc recettes dans question gaz là. Donc, comme on va rentrer dans le gaz là, le gouvernement prévoit augmenter d'environ 6% par rapport à la provision initiale et pour atteindre 20,4 milliards de gourdes sur les produits pétroliers. Donc, il y a un montant qui quand même représente une part importante dans 172,6 milliards de gourdes que le gouvernement prévoit à rentrer dans les recettes fiscales. Et faut que nous disions, le deuxième élément important, c'est la question financement budget. Et en plus, fois longtemps, le monde qu'on a dit que c'est international là, qui a financé le budget. Nous, il faut que nous disions que depuis quelques temps, depuis l'effort qui fait pour que plus fort budget, c'est au niveau local que le financer. Et nous sommes capables de dire que 75% budget, donc la financée par des ressources locales et apport international là c'est seulement 25% que la pied environ et année ça et le budget rectificatif là qui a autour de 65,9 milliards de gourdes soit environ 50 millions de dollars qui peuvent dépenser dans la question de aide projet. L'autre bonne nouvelle c'est question déficit budgétaire mais gouvernement prévoit que année ça il pas fait déficit budgétaire qui va le financer par banque centrale. Il y a une opération qui toujours qu'on bail taux de change là problème avec inflation donc année ça gouvernement dit que le budget rectificatif là que financement c'est zéro la pied financement monétaire zéro. Donc, ce qui est une bonne chose pour la stabilité au niveau des finances publiques, parce qu'on a rappelé que entre 2020, 2021, 2022, c'est entre 42 à 49 milliards de gourdes que Banque Centrale a prêté l'État pour que financer le déficit budgétaire. Mais en essai, il y a un peu l'effort qui fait au niveau des finances publiques, au niveau de l'État, pour dire qu'il n'y a pas fait déficit capable de financer par Banque Centrale. Donc, nous pensons que cet objectif de financement monétaire zéro, il est vraiment capable d'aider la stabilité de taux de change là et aider aussi dans la question de gérer le rythme de croissance inflation.